La maison familiale de l'Ouest lyonnais est un établissement de formation spécialisé dans le domaine du paysage. Elle développe des formations de la 4e au bac pro, des formations continues et une formation de spécialisation diplômante qui est le certificat de spécialisation taille et soins des arbres. Nous vous invitons à venir découvrir un chantier réalisé dans le cadre des travaux pratiques de cette section en Haute-Loire. Cette journée, c'est une journée de travaux pratiques qui est axée sur, bien sûr, la sécurité, hein, donc, avec des manipulations de tronçonneuses en hauteur, et qui est axée sur la taille, hein, puisque là, notre objectif, c'est de reprendre, disons, des tailles raisonnées sur des arbres qui autrefois avaient été malmenés. Hein. Il faut réorienter un petit peu la croissance des branches, ôter les branches qui sont en surnombre, et puis enlever également, puisqu'on est sur un site touristique, enlever les bois morts qui seraient susceptibles de tomber sur les personnes au sol et détecter éventuellement les éventuelles faiblesses sur certaines grosses branches qui pourraient causer aussi des accidents. Donc on a un groupe 16 personnes en hauteur et nous sommes 3 qui sommes autour d'eux pour les conseiller, pour repérer d'éventuelles erreurs, notamment sur la sécurité, et pour les corriger, leur donner les petites astuces du métier, quoi. Parmi les gens qui encadrent ici, on a notamment deux élagueurs artisans qui sont aussi formateurs. Donc ce sont des gens en activité, en élagage, qui peuvent leur apporter notamment des côtés très techniques, quoi. C'est une formation qui est sur un an, qui s'effectue sur un an, donc en alternance, en fait, on a une partie entreprise, une partie au centre de formation, et normalement, au bout d'un an, on est censé être des élagueurs diplômés, autonomes et responsables. Derrière, donc tu vas finir avec une grosse charnière, tu fais quoi? Ah ouais, je fais le dire.